Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok avec l'épisode 20. Ça y est, on aborde la vingtaine. On doit aller casser la gueule de quelqu'un qui a fait du mal à un loup. Souvenez-vous. Attention. Et on essaye de voir où elle habite. J'avais vu. Et là malheureusement, il y a beaucoup de créatures sans âme. Ok. Ok, c'est pas mal. J'aime bien. Ok. Ok, ok. Hop, on va monter la rage, même s'il y a déjà au max. Elle est pas ouf, hein. Je peux pas la monter là, la sœur. Ok, bien joué. Elle est pas folle, hein. Elle fait beaucoup de couleurs, c'est bon, mais elle a pas envoyé de la poudre de peinture. Ok, ça c'est beau, ça c'est gratuit. Dépôt de scurries. Oh non. Je m'en charge. Mort. Voilà, je peux faire. Mort. Voilà, je peux faire. Si nous rencontrons Grilla, ne fais rien de trop radical, s'il te plaît. Pourquoi? C'est ma grand-mère. Quoi? Ah! Elle a toujours été ainsi. Quand elle a su que mon père ne ferait rien pour contrer son destin, elle a... changé. Oui, je vois. Bah, je vais juste lui péter la gueule. Hein. Simplement, hein. Laquelle, je vais pas lui faire grand-chose. Hein. Je vais nous juste la détruire. Trouver un moyen de passer. Peux-tu voir quelque chose de l'autre côté? J'ai déjà fait, regarde. Je fais un effort. Allez. Ici, on n'a pas le temps, ça suit. Ça suit le movie, je te le dis. Allez. Mais qu'est-ce que t'aurais fait dans cette forêt sans moi? Tu t'as accès à rien, cousine. Wolver! Wolverine, wesh! Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe sous Jésus? Mais c'est incroyable! Mais c'est incroyable! C'est prêt! Oh, mais c'est incroyable! Ce que j'ai fait est exceptionnel! Allez, ça dégage, mais c'est fou! Est-ce que beaucoup de géants ont vécu ici? Trop vite du temps. Tu t'interroges sur ta mère. Elle a vécu une vie entière avant de m'avoir. Et j'en ignore tous les détails. Je regrette. Je ne sais rien à son sujet. Ta mère a quitté la voie des géants bien avant ma naissance. Bravo. Bravo, bravo. Si personne peut rien me dire au sujet de ma propre mère... Super, hein, les géants, hein. Ok. Ils sont pas bons, cette connerie. Lata, c'est la maison de Grilla. Pas de lumière. Ah oui. Elle doit être allée relever ses pièges. Mais il peut y avoir des animaux à l'intérieur. Nous devons faire vite. Attends, ça a l'air d'être une vraie géante, hein, quand tu vois la taille de la porte, mon ref. Hein. C'est des vrais poignées et tout, hein. Il y a une autre entrée, là-haut. Nous devons trouver un moyen d'y arriver. Bon, je m'en occupe, j'en ai pour deux secondes. Bouge pas, quelqu'un a peint des raccourcis. Ok. Ah.
Alors attends, c'est quoi le problème là? Attends là, tu me déçois la bibiche. Ok, j'ai. Elle vient par ici. Bien, agile. J'aime bien. Je vais te créer un passage. Bah y'a là, hein. Et Grilla, pourquoi a-t-elle besoin des âmes de tous ces animaux? Elle peut vivre les instants de leur vie et se sentir libre. Le souffle du vent sur leurs poils lorsqu'ils courent, ne penser qu'à chasser et trouver un abri pour dormir. Oh, des vrais pots et tout, hein. Mais rien n'est vrai. Ah. Oh. Oh. Grilla est toujours dehors. Waouh. Tout est tellement grand. Où est le loup? Il y a une porte menant au sous-sol. Elle y enferme peut-être les animaux. Ok. La clé est dans la serrure. Il n'y a plus qu'à la tourner. Loki. Hé, on connaît mon avenir. Il n'y est pas question de se faire tuer par ta grand-mère. Ça ne veut rien dire. Ah, il a pas eu tort? Pourquoi ça ne veut rien dire? Presque. Ça y est. Et pourquoi j'ai un peu... Tu grandis à quel moment, en fait? La mère d'Atreus, elle était grande comme ça, cousin? Ou... C'est arrivé à 60 ans, d'un coup, tu grandis longuement. Bizarre, hein? C'est quoi, ça? C'est un vrai donjon. Je crois que j'entends quelque chose respirer vers le fond. Moi aussi, mais je n'entends pas leur voix. Ok... Rien d'autre à faire? Ok... C'est quoi ces conneries, frérot? 95 pièces qui sont tombées, elle a fait tomber des pièces. Viens le temps. Ok... On doit trouver un moyen d'aller là-bas. Attends, je veux bien, mais... On n'a pas déjà vu ces tonneaux? Ah, d'accord. Je commence à comprendre. Non, là, ils attendent, c'est de l'autre côté. Oh, vous abusez, là. Allez. Voilà. Ok. En France, c'est de l'argent, hein, frérot. Hein. Je suis comme dans Zelda, hein. Je casse toutes les poteries, rien à péter. Hein. Je ne ressens rien. Comme pour l'autre. Ah oui, bon, elle a passe, pris son âme. On ne peut rien faire pour lui. Tiens ça. Qu'est-ce que tu... Y a pas un géant que tu aimais? Pas trop? Non, rien. Celui-là. Non. Arrête. Ta mère a dit que je saurais quoi faire. Oui, le moment venu. Je viens de te les donner. T'as raison, mais... Ils ne peuvent pas rester cachés, non? Faut pas le laisser mourir comme ça. Tu es sûr? Non.
En fait, je ne sais pas comment m'y prendre. D'accord. On essaie ensemble. Vecchia. Vecchia. Ça a marché ? J'en sais rien. Tiens. Quoi ? T'abandonnes déjà ? C'est ta responsabilité. Non, c'est pas ça. Vraiment. C'est juste qu'il vaut mieux que tu les gardes. Loki, tu en es certain? Je viens déjà de faire n'importe quoi avec. Je m'appelle Atreus. D'accord. Oh, j'avoue que le serpent, il aurait pu remercier, frère. Il faut remonter les escaliers. Désolé, je voulais pas... Nous devrons sortir par où nous sommes entrés. Elle ne doit pas savoir qu'on est venu. Nous remettrons cette tasse à sa place en passant. Oui. Ok, bon je pense qu'on va se faire cramer. Nous devons fermer la porte. J'arrive. Ah d'accord, ok. Pour pas être cramé, mais genre elle va se souvenir d'une tasse alors que c'est le merdier dans toute la baraque. Cache-toi! Arrête de gémir. Dans un instant, tu auras tout oublié. Non! Mais elle va le tuer! Non, parce qu'on va l'en empêcher. J'ai évité ce moment trop longtemps. Elle va mal. Tu sais, tu devrais me remercier. À quoi bon s'encombrer d'une âme? Ça n'apporte que de la tristesse. Je t'envierai presque. Regarde, le chaudron. Sans lui, elle peut rien faire des âmes. Je vais la distraire. Toi, libère le loup. Ensuite, on brisera son chaudron. Tu es sûre de toi? Non. Mais on peut pas rester caché là. Vas-y. Hé, hey, grand-mère! Tu étais prévenue! Je t'avais interdit de revenir! Cause toujours, regarde-moi! Il y a tant de choses que j'ai oubliées, mais tu refuses d'en faire partie! Les choses pourraient se passer autrement. Si le Ragnarok approche, ne te préfères-tu pas qu'on l'affronte ensemble? Qu'est-ce que le destin nous a jamais apporté? Qu'est-ce que le destin de ta mère de nous quitter si tôt? Celui de ton père! Cette sotte! Je ne t'abandonnerai pas! Oh mais... Je me suis chié dessus. Tu n'es pas venu seul? Loki! Loki! Ouais, j'ai fait du catch chez toi. Sortez de chez moi. Par ici, suis-moi. Par ici. Elle fait du catch, frère. Courez. Monte par là. On peut rejoindre la cuisine. Ah. Où êtes-vous?
Sûr de vouloir y retourner? Je te l'ai dit, il le fait. Je vous entends. J'ai un survival horror presque. Là, il faut détruire ce chaudron. Tu peux traverser? Où es-tu? Tu te caches? Je m'aurais cassé avec tes peintures, Camille. Oh putain, y'a un boss? Ne touche pas ça! Le champion des Yotnars! Dans ma modeste demeure. Tu en profites avant que ton père passe l'arme à gauche? Ne parlez pas de mon père! Tu seras parfait en laquais d'Odin. Laissez-vous. Ce sera un si bon père qu'il te fera oublier le tien en un rien de temps. Laissez-vous. D'où ratras. Pourquoi cette merde? Oh, pourquoi me tourmentes-tu, Camille? Il faut que ça cesse. Solté, Kyokte. Maintenant, attaque le chaudron. Pourquoi es-tu venu ici? Non. Va-t'en. Dragahan, on dit. Problème. Vous êtes des géants minables, tous les deux. Cette bougie là-bas, ça la sauvera peut-être si je la touche. J'ai honte d'être ta grand-mère. Arrête, tu ne penses pas. Ne m'approche pas. Bien Bouddha, attention! Descends du comptoir! Vous ne toucherez pas à mon chaudron. C'est grave stylé, hein. C'est grave stylé, hein. T'acharnes-tu contre moi, petite fille? Je ne t'ai rien fait! Tu ne peux pas continuer à voler des armes! Ce ne sont que des animaux! Laisse-moi tranquille! Très bien! C'est tout ce que j'ai. Allez, mettons, Matrius. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh non, je vais péter un crâne. Arrêtez de pitié!
Qu'est-ce que tu as fait ? Je t'ai sauvé. J'aurais dû te jeter en pâture au loup après t'avoir tiré du ventre de ta mère. Va-t'en ! Mais je... Fiche le camp ! Non. Allons-nous-en. Tu crois avoir accompli quelque chose, petite fille ? Sache que tu n'es rien. Et personne ne se souviendra jamais de toi ! Pas même Loki ! Tu ne seras qu'un chapitre oublié dans son histoire ! Il sera trop occupé à pleurer son père ! Si je te revois, tu regretteras de ne pas être morte avec tes parents. Tu es sûre qu'on fait bien de la laisser ici ? Si jamais elle venait te chercher. Elle me laissait à manger avant. Quoi ? Elle disait qu'elle n'en avait rien à faire de moi, mais... Parfois, quand je me réveillais, il y avait un pain posé à côté du feu. Il était cuit comme elle seule en avait le secret. Ce n'est pas un monstre, tu sais. Elle est perdue. Tu veux marcher ? Par ici. Le chaudron ! Le boss était incroyable, c'était trop stylé. Tu es parti plus longtemps que tu ne le crois. Ok. Hunger Boda. Ça va. Ça devait arriver. Le boss était vraiment trop stylé. D'accord. En deux manches gagnantes ? Atreus. Une course ! Allez ! Je sais ce que t'essaies de faire. Tu prendrais ta revanche sur la dernière fois. Et j'apprécie... La dernière fois, c'est moi qui ai gagné. Il me semble qu'on était ex aequo. Je suis sûre du contraire. Ok. Alors prouve-le-moi ! Un, deux, trois, partez ! Allez. Alors, tu viens ou pas ? Allez, allez, allez ! Ton renard ? Oh non, tu triches ! Attention au virage ! Allez, c'est parti ! Même là, je rappelle que c'est moi qui joue. Idée de ce que tu dis. Ce chant sent toujours merveilleusement bon. C'est sûr que ton nez est plus fin comme ça. N'est-ce pas distraire ? Oh, ne me dis pas que t'es déjà fatigué, si ? C'est trop stylé. Quel non, épisode, les amis ! Quel épisode, c'est incroyable ! Waouh ! Aïssa, plus vite ! On va la voir ! Ah, j'ai peur. Non, je ne crois pas ! Ok. J'ai dû me donner au maximum cette fois. Te donner ? Tu étais sur un renard magique ! Loki, Atreus, merci. Je suis désolé qu'elle ait été dure avec toi. Moi aussi. Bien, j'imagine que tu veux rentrer chez toi. Je te retrouverai à la fresque quand tu seras prêt. Je suis obligé de partir ? Uniquement si tu le souhaites. La prophétie ne précise pas quand tu dois partir. Ma prophétie. Sans leurs âmes, ils ont oublié comment se nourrir et courir. Ah, ils gardent des animaux sans âme, miskin. Je les amène ici, car seuls, ils ne survivraient pas. Mais avec ces billes spirituelles, tu pourrais... Non. Je regrette. Mais je...
C'est tout ça. Cette prophétie, c'est trop. Tu as cueilli d'autres verbulbes, non? Tu peux nourrir les animaux si tu veux. Ok. Oh, les loups! Eh, hey, merci d'avoir pris le temps de cueillir tous ces verbulbes. Les animaux t'en sont reconnaissants, et moi aussi. Oh, je t'en prie. C'était amusant. Ça m'a plu d'entendre à quel point ils sont tous différents. Tu les aimes vraiment beaucoup, hein? Oui. Eh ben écoutez, on est pas mal, on peut rentrer en vrai, hein. Y a plus grand chose à faire. On va pas traîner pour traîner. Hop, ça c'est l'achat. Allez, direction la fresque, c'est parti. On rentre. Oh, attends. Attends. Celle-ci est couverte? Oui, elle n'est pas prête à être vue. Sauf peut-être par Yala. Ça ne peut pas être si laid. Je te la montrerai peut-être un jour. Mais... bizarre. Bizarre. Tu n'y crois toujours pas, hein? J'y arrive pas. Tu penses que je suis stupide? Je pense... que tu tiens beaucoup à ton père et que l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose t'est insupportable. Viens. Je veux te montrer quelque chose. Lofei. Ma mère? J'aimerais qu'il ne soit pas vide. Mais... je sais ce que ça fait... de perdre un parent. Et même deux. Ta mère n'est peut-être plus là, mais ton père... tu as encore le temps de lui dire au revoir. Je comprends ce que tu veux dire. Et je te remercie. Vraiment. Mais... j'en sais rien. J'ai du mal à croire qu'on soit des pages d'une histoire déjà écrite. Qu'est-ce qui veut t'arriver? Je ne sais pas. Je te l'ai dit, quand tu seras parti, mon rôle sera terminé. Alors, tu peux rester. Je crois que c'est à toi de décider de ton rôle. Qu'est-ce que tu vas faire? Aucune idée. Mais je peux pas laisser mon père mourir. Il faut que j'y retourne. D'accord. Les étoiles sont différentes. Non. C'est toi qui es différent. Je sais qu'on se reverra. Bien sûr. Maintenant, ferme les yeux et serre-la fort dans ta main.
Ne la lâche surtout pas. Ta maison, visualise-la. Et répète le mot. Maison. 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 Comme ça. J'aime et le commentaire. Évidemment, je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien. À bientôt tout le monde, on va essayer de se sortir de ce gros merdier. Bye bye.